Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live, réflexion encore aujourd'hui. Nous sommes le 7 mai 2024. Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler, comme vous l'aviez lu dans le titre, de la modification ou du changement de la Constitution. Le président de la République a fait un ballon d'essai en décidant, ou bien dans une interview, il a dit qu'il va mettre une commission qui va s'atteler à ce problème-là de la Constitution. Vous êtes sans le savoir qu'ici à Contact Pro Live, à un certain moment, nous avions beaucoup parlé sur cette Constitution. C'était même... C'était même le pourquoi de nos émissions ici à Contact Pro Live. Parce que Contact Pro Live, nous nous disions que le peuple congolais ignorait pratiquement ces lois. Nous évoluions dans une situation où, dans un pays sans loi, où nous n'avions pas un repère, nous ne tenions pas compte des textes. Nous parlions des textes qui n'étaient pas respectés, tout ça. C'était le pourquoi de la création même de cette émission, Contact Pro Live. Parce qu'au début de cette émission, je vous rappelle, vers 2019, nous nous sommes attelés à lire la Constitution. Et nous y avons trouvé beaucoup de couacs qui ont fait à ce que nous avions même demandé au président de la République, à ce moment-là, en 2019, de s'atteler sur ce problème-là de la Constitution parce qu'il y avait des couacs. Il y avait des choses qui ne marchent pas dans la Constitution. Voilà un peu le sujet qui va nous réunir ce matin. Donc, nous allons en parler. Et beaucoup d'entre vous peuvent penser que non, moi je suis contre ou bien je suis pour la Constitution. Je vais vous donner quelque chose que peut-être pour vous rappeler de ce que j'avais déjà dit dans nos émissions ici à Contact Pro Live. En tout cas, merci encore une fois de plus d'être nombreux. La première des choses que je vais me débarrasser, c'est de saluer des nouveaux venus. Et ici, et surtout, je suis surpris que je suis suivi à Calémie. Je vous salue les amis qui sont à Calémie. J'ai été surpris, beaucoup de vous m'ont écrit. En tout cas, je suis vraiment, vraiment très ravi. Et je suis content que vous me suiviez à Calémie et que vous donnez beaucoup plus d'importance à cette émission. Il y a aussi les amis qui sont à Ituri. J'étais surpris aussi d'avoir de ces nouvelles. Il y a même des gens de Ituri qui m'ont appelé. Sans oublier ceux qui sont en Ouganda. Bien sûr, nous continuons à être un média de masse. Parce que la façon dont je vois comment est-ce que vous êtes en train de vous abonner. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. Surtout vous qui êtes de nouveau venus et qui commencez à nous suivre. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la petite cloche de notification parce que cela vous servira à ce que vous puissiez être alerté lorsque nous mettons les émissions en ligne. Donc merci, donc bienvenue en tout cas dans la grande famille de Contact Pro Live. Vous êtes encore vraiment le bienvenu de laisser surtout des commentaires ou de partager les émissions ou même de couper des petits morceaux qui vous intéressent et de les partager si vous n'êtes pas à mesure de partager toutes les émissions. Donc merci beaucoup, je suis vraiment très ravi, je suis très content. C'est ça qui me pousse encore à faire mieux mon travail parce que je sais que j'ai une audience qui me suit. Donc avant d'aller un peu plus loin, nous allons donc prendre les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Ça, c'est ce que nous faisons tous les jours dans l'émission Réflexion. Prenons les grands titres et puis revenons pour le développement de notre sujet, le changement de la Constitution. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Irumu, trois civils tués, les combattants ADF soupçonnés d'avoir mené l'attaque. Et puis Matadi, effondrement de l'immeuble satellite, RDC Rwanda, la menace d'une guerre ouverte. Nous allons sur actualité.cd. Examen d'état, les élèves de l'école congolaise de Kigali passent les épreuves, tandis qu'à Goma, un centre est ouvert pour les déplacés. RDC Ouganda, deux armées examinent le projet
le progrès plutôt de la les défis de l'opération conjointe Shuja à Beni et à Irumu, Nord Kivu. Des civils pris entre deux feux. Les évêques condamnent les positionnements stratégiques des belligérants autour d'un camp de déplacés. Congo profond, les quatre peuples ont leur lien avec les éléments. Poul Malebo, stand-up comédie au Pullman. Une salle joyeuse, le rire au rendez-vous et un public satisfait. Kasumbalesa, 41 105 candidats dont 1815 filles prennent part à la haute session des examens d'État 2024. 7 sur 7 de Véloterie, l'ambassade des États-Unis alerte sur le niveau élevé de fraude et appelle à la vigilance. Bombardement du camp des réfugiés de Mugunga, la CENCO appelle le rebelle du M23 à déposer les armes. Et puis bombardement d'un cas de déplacés à Goma, la France appelle à faire toute la lumière sur les responsabilités de cette attaque. On va terminer par Radio Okapi. Toujours pas de bureau définitif à l'Assemblée nationale. Et puis Matadi, effondrement, comme nous l'avons déjà dit, de l'immeuble satellite. Bombardement des sites de déplacés près de Goma. Fondji RDC appelle au respect de droit international humanitaire. Beni, nous sommes ici pour aider les autorités à bien gérer la situation sécuritaire. Ça se vend de pair. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mes chers amis, donc nous sommes là pour justement développer ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Les gens, l'opposition se mobilise ce matin. J'ai suivi Prince Pengue, celui de la Mouka, qui a parlé aussi. Beaucoup de gens commencent à parler et à soupçonner le président de la République de commencer les tactiques pour se maintenir au pouvoir. C'est pas ça mon problème ici à Contact Pro Live. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est le Congo. Que ce soit Tshisekedi, que ce soit quelqu'un d'autre qui viendra remettre le pays sur le rail du développement, nous allons le suivre, nous allons adopter, mais il faudrait qu'il puisse nous convaincre. Donc, je disais donc dans l'introduction que depuis 2019, lorsque nous lisions cette constitution, vous qui nous rejoignez maintenant, je peux vous demander d'aller dans la chaîne YouTube. Vous allez voir dans les petites émissions au départ du début de cette chaîne. Nous lisions la Constitution et nous avions lu du premier article jusqu'à l'article 220 de la Constitution. Et nous, on s'était dit, nous lisions pour justement vous informer et vous donner nos points de vue et surtout la consistance des actes du gouvernement comparativement aux textes que nous avons, qui nous guident, qui servent de notre Bible finalement. C'est ça, c'est la Constitution finalement, c'est le livre par lequel nous devons tous être d'accord en disant voici mon beko mon konzi. Donc tout ce que nous allons faire devra être concomitamment avec la Constitution. Il y a au-delà de la Constitution, il y a ce qui est un livre aussi qui est très très important, qui est celui qu'on appelle les lois organiques. Ces lois organiques explicitent les lois qui sont dans la Constitution. Les lois organiques sont créées par les députés. Les députés sont là justement pour créer les lois en fonction de la Constitution. Les lois que les députés créent ne sont pas en dehors de la Constitution. Ils explicitent la Constitution et ils vont faire des lois. Et c'est ça qui accompagne cette Constitution-là. Nous, ici, depuis 2019, nous avions décelé beaucoup de choses que nous pensions qui devraient être modifiées ou améliorées. Y a-t-il sujet à modifier la Constitution? Oui, la Constitution peut être modifiée. Kabila l'a fait beaucoup de temps. Et il y a eu même d'autres lois qui ont été ajoutées à la Constitution. Mais il faut savoir que dans cette même Constitution qui nous guide aujourd'hui, cette Constitution a laissé les gens ont eu des articles qui sont verrouillés, qui ne peuvent pas être changés.
Et la Constitution elle-même dit que la Constitution ne peut pas être modifiée ou changée lorsqu'il y a un temps de guerre. C'est pour cela que nous demandons aux gens d'aller encore un peu suivre comment nous lisions cette Constitution. Parce que nous, nous avions dit, nous n'interprétons pas la Constitution, mais nous allons vous la lire pour que vous soyez informés. Parce que la Constitution elle-même dit que nul n'est censé ignorer ce qui est écrit dans cette Constitution. Comme Congolais, vous devez connaître ce qui se passe pour que les actes que poseront vos dirigeants puissent être justifiables que non, nous nous sommes déjà mis d'accord. Au fait, la Constitution, c'est la Bible, c'est le livre qui nous guide tous. C'est là où nous trouvons, nous justifions nos actes. Le président de la République prête serment sur cette Constitution. Tout le monde, même les agents, surtout de l'État, gouverneurs, provinciaux, administrateurs territoriaux, tout ça, ces gens-là ont cette constitution sur la table de travail. Lorsque le parlementaire vient au Parlement, on leur distribue une copie de la constitution. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Posons-nous la question, pourquoi est-ce que le président de la République demande à ce qu'il va mettre un comité pour voir comment est-ce que nous devons modifier cette constitution-là? Ça, c'est une aberration. Pour quelles raisons pour l'instant? Quelles sont les raisons qui peuvent pousser le président de la République aujourd'hui de changer ou de modifier la constitution? Parce qu'il en a aussi les droits. Dans la constitution elle-même, il y en a, on stipule qui peut entamer cette processus-là de la modification de la Constitution. Alors, il y a une certaine ambiguïté parmi beaucoup de gens qui se disent « Félix veut se maintenir au pouvoir » parce qu'en modifiant la Constitution, nous allons faire tomber tous les mandats précédents parce que ça sera un nouveau départ. Ça sera un nouveau départ, donc le compteur va être à zéro. Mais ce nouveau départ-là, ça ne peut pas se commencer. Nous ne pouvons pas faire les choses dans la précipitation. Avant d'aller un peu plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné, parce que les choses très importantes, nous allons les expliquer maintenant. Abonnez-vous, partagez l'émission, laissez des j'aime. En tout cas, aimez d'abord l'émission parce que nous pensons que lorsque vous aimez cette émission, ça a beaucoup plus de views et nous allons toucher beaucoup de monde parce que ce que nous parlons ici, c'est très très important. Alors, pourquoi le président de la République engage cette discussion maintenant, juste au début de son mandat, de son deuxième mandat? Il y a substitution. L'opposition commence à croire que non, maintenant, qu'il est à bout d'idées, il n'a plus rien à faire, parce qu'il voudrait se justifier pour rester au pouvoir après son deuxième mandat. Parce qu'il n'y aura pas de troisième mandat, anyway. Ça, ce sont les techniques, les tactiques que nous avons vécues dans d'autres pays africains. Nous l'avons vu, le président est parti au Togo, où on a modifié le système parlementaire, le système présidentiel. Pour l'instant, c'est devenu un système parlementaire. Et le compteur a été remis à zéro. Est-ce que va-t-il aller dans ce sens-là? C'est là où nous disons que, au Congo, nous n'avons pas nous ne sommes pas encore dans cette étape-là de modification de la Constitution appelée par le président de la République. Ça ne doit pas être le président de la République. Vous avez vu et vous avez entendu parler de Kabuya qui disait que non, ce sont les diasporas qui ont posé ce problème-là de la modification de la Constitution. C'est le peuple congolais. De quel peuple s'agit-il? Moi, ne suis-je pas un Congolais? Les Kinois ne sont-ils pas des Congolais? Avions-nous allé à un référendum où le peuple congolais s'est exprimé? Ou bien ce sont les militants de l'IDPS? Et même le président lui-même a dit, please, ne me faites pas un dictateur. Dans quand vous regardez tous ces coques à jambes ou ces tactiques-là, en disant que c'est le peuple qui l'a demandé, nous sommes en train de nous dire, mais où est-ce que nous allons? Est-ce que c'est ça la bonne formule pour modifier la Constitution? Se réveiller un matin en disant que non, nous allons émettre un comité pour
voir comment est-ce que nous pouvons changer cette constitution. Quelles sont les raisons là que Félix est en train d'évoquer? Il dit par exemple que c'est la constitution qui est en train de le bloquer. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit la constitution qui est en train de le bloquer. Parce que la constitution elle-même, quand il dit, lorsque une majorité parlementaire, la majorité, après les élections bien sûr, après les élections, nous avions vu une majorité se dégager. Aujourd'hui, nous sommes en pleine majorité, donc il n'y a pas un rapport de force de l'opposition. Non, l'opposition même n'existe pas. L'opposition n'existe pas. Moi, je pense que déjà au lendemain de la victoire de Félix Tshisekedi, lorsqu'il a été élu à 77%, soit pas 73%, ces parlementaires devraient savoir qu'est-ce qu'ils devraient faire, qui devrait être leur premier ministre. Mais nous nous sommes engagés dans une des élections qui était pratiquement simulacre, bâclée, où on ne savait pas qui faisait quoi, une tricherie à ciel ouvert. Et eux-mêmes, ceux qui ont gagné des élections, ne savent pas s'ils ont gagné. Ils ne connaissent pas. C'est un caverne d'Ali Baba. C'est ça qui le bloque. Mais moi, je ne sais pas si c'est la constitution qui peut te bloquer. Parce que le blocage de la constitution, elle va venir d'où? La nomination du premier ministre lui a pris beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que, sachant qu'il va blesser certaines de ses fanatiques ou certaines personnes qui l'ont aidé à tricher ces élections-là, ça devient beaucoup plus difficile. Parce qu'en principe, gouverner, c'est prévoir. Est-ce que la victoire aux élections a été une victoire préparée? Comment le président de la République est-il venu à gagner les élections en 2024, en 2023? Voilà maintenant les conséquences de la tricherie. C'est ça la conséquence de la tricherie, parce que vous êtes bloqué. Vous vous dites que non, bon, nous avons cette majorité. En principe, la majorité devait savoir qu'est-ce que nous devons faire après les élections. Nommer un premier ministre, vous deviez prévoir ça. Nous ne pouvons pas aller dans une gestion où nous ne connaissons pas ce que nous allons faire demain. La gestion d'un pays, c'est de prévoir tout ce que nous pouvons faire. Et moi, je pense que lors de la campagne électorale, lorsque vous deviez consolider votre position et votre groupe, votre idéologie, c'est dès lors que vous deviez vous définir en disant où est-ce que nous sommes en train de partir et qui va nous accompagner dans ce voyage de cette deuxième mandature ou bien deuxième session qu'on vous a donnée, selon vous. Nous sommes partis aux élections, vous devriez nous expliquer. Écoutez, venez à mes côtés, voici ce que nous allons faire. Mais nous n'avons pas une idée de ce que nous allons faire. Nous ne savons pas avec qui nous sommes. Je parle ici de la majorité qui a gagné ces élections-là. Ils ne savent pas qui est qui dans cette majorité-là. C'est comme ça qu'il se retrouve. Il était candidat indépendant. Je vais vous donner un exemple ici, par exemple, en Afrique du Sud. Ce n'est pas le même système électoral, ce n'est pas le même système. Mais vous sentez, je vais vous donner aussi l'exemple du Sénégal. En Afrique du Sud, ils se sont mis d'accord que non, ce sont les partis. Ici, d'ici le 20 mai, je crois le 20 mai de ce mois ici, ils vont élire les partis politiques. Et dès lors, si un parti politique gagne ces élections, le président de ce parti politique devient directement le président de la République. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont aller au Parlement pour choisir le président de la République, ils seront majoritaires au Parlement parce que ce sont eux qui ont gagné. Ils seront majoritaires, donc il n'y aura pas moyen de faire une coalition ou quoi que ce soit. Le Sénégal, voyez comment ils se sont dit. Ils ont préparé au lendemain de la victoire électorale, ils n'ont pas fait une semaine. C'était quelques jours. Le premier ministre était connu parce qu'il devrait y avoir un premier ministre. Et le premier ministre, directement, 3 jours après, on a formé un gouvernement parce qu'il savait quoi faire. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. C'est ça le problème.
Et donc, on commence à chercher des tactiques, on pense son temps en Europe, à aller un peu voir, discuter. Entre-temps, notre pays est en danger. Entre-temps, l'insécurité gangrène. On va se réjouir, on se pavane, on fait du sans pas, sans savoir ce que nous sommes en train de faire. Pendant que l'insécurité gangrène à l'est de la République démocratique du Congo, pendant que nous n'avons pas un gouvernement, on se permet de faire des voyages, on se permet... C'est lui le président qui a été élu. C'est lui qui devrait avoir ce sens-là d'urgence en disant « Voici, nous devons mettre un gouvernement en place, le Parlement devrait venir. » La Constitution lui permet. La Constitution a déjà donné une voix. Mais vous êtes bloqué par vous-même parce que vous n'avez pas réussi à prévoir ce que vous devriez faire et montrer ça et recruter les gens qui devraient vous accompagner. Félix est dans un îlot. Il est seul. Félix est seul. Il ne sait pas avec qui il va aller dans son deuxième mandat. Et c'est ça qui justifie la tricherie qui a été faite aux élections. Parce qu'il ne savait pas. Les autres partis politiques, selon eux, selon dans leur campagne, que ce qu'ils disaient, il y avait des programmes. Je vais prendre ici de Mukwege. Il vous dit ce qu'il allait faire s'il était président de la République. Mais Félix, qu'est-ce qu'il nous a dit? Vous a-t-il dit qu'il va changer cette constitution? Ce n'était même pas dans son programme qu'il vous a présenté lors de ses campagnes électorales. Ce n'était même pas dans son programme. Ainsi, nous allons dans l'inconnu. Félix Tshisekedi est dans un moment limbo où il ne connaît pas, il ne sait pas. Et pendant ce temps, l'insécurité gangrène à l'est de la République démocratique du Congo. Kinshasa est ingouvernable. Le pays est dans une situation, on ne sait pas où on va. Voilà ce qui anime maintenant Félix Tshisekedi aujourd'hui, cherchant une solution en pensant que changer la constitution, ça peut changer quelque chose. Comment ça peut changer quelque chose? Moi, je pense rien. Donc, cette assertion-là, cette idée-là de l'opposition, disant que Félix est en train de vouloir changer la constitution pour se maintenir au pouvoir, elle s'avère être justifiée. Ces gens-là ont raison, parce qu'on n'a pas le momentum pour changer la constitution. On ne se lève pas un matin pour changer la constitution. Quelles sont les motivations?
La motivation est politicienne parce que il se réjouit d'être président, même si les choses ne marchent pas. Le président de la République est content d'être président de la République aujourd'hui, même si les choses ne marchent pas, même si on est en train de voler les millions, ça l'arrange, ce n'est pas son problème. Même si le pays ne marche pas, ce n'est pas son problème. Aujourd'hui, le président de la République se plaît. Il est content. Il fait des interviews par-ci, par-là. Il n'y a pas aucun sens d'urgence. Lui qui a été majoritairement élu, comment est-ce qu'il peut être, en difficulté en désignant un premier ministre? D'ailleurs, ce n'est pas lui qui doit désigner le premier ministre. Les gens qui se disent de l'Union sacrée, comment ne sont-ils pas d'accord sur la politique? Parce qu'en principe, cette constitution ici, elle nous donne tous les chemins. Moi, je peux dire, sur cette question-là, cette constitution ici, elle avait déjà tracé tous les chemins à suivre lorsque, après les élections, quels sont les actes qu'il faut faire après les élections. Donc, la question de dire que non, la constitution est en train de les bloquer, c'est un faux fuyant. C'est pratiquement un faux fuyant. Il faut qu'il cherche une autre raison ailleurs. Voilà un peu, moi, ce que je pense de ce que lui a... Il est en train de commettre de bavures. C'est comme ça que je me dis, lorsque Félix Tshisekedi ouvre sa bouche, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas cohérentes de ce qu'il dit. Finalement, le président de la République ne sait pas où est-ce qu'il est en train de mener le pays. Maintenant, voyons. Parce que depuis 2018, nous disions que la constitution devrait être changée ou bien modifiée. Ici, à Contact Pro Live, nous disons, lorsque nous allons poser les actes de gestion, ça doit être dans le but d'améliorer la situation de la population congolaise. Nous devons aller dans le sens où nous devons nous mettre d'accord. Parce que les actes qui seront posés, il y aura toujours des conséquences. Imagine-toi par exemple, aujourd'hui, sans préparation, quels sont les gens qui vont faire cette comité-là pour aller changer cette constitution-là? Nous sommes en train toujours de nous enlisser donc nous alimentons l'incohésion nationale. Donc, le désagrément, parce que nous ne vous attendons pas. Nous n'avons pas de cohésion nationale en République démocratique du Congo. Et changer cette constitution sans la préparer, voilà encore que nous sommes en train de nous creuser notre tombe. L'opportunité pour changer la constitution devrait être un acte qui devrait nous réunir. Parce qu'ici, à Contact Pro Live, nous avons un plan. Ce que le président Félix devrait faire, c'était appeler une 4e République. Appeler une 4e République. Et comment préparer cette 4e République? Moi, je pense qu'il devrait appeler un grand dialogue. Que ici, nous avions dit les états de lieu de chaque territoire. Je reviens toujours à cette solution parce que moi, je suis convaincu que c'est par là que nous passerons. Les états de lieu de chaque territoire devraient être convoqués. Et que les gens, pendant une année, je donne déjà le timing de ce que moi je pense être la solution. Le président Félix Tshisekedi devrait faire quoi? Ça c'est mon point de vue, ça c'est ma suggestion. Dans cette émission, nous ne faisons pas du perroquet, non. Nous apportons, nous vous mettons sur table une solution que nous pensons peut nous faire sortir de cet imbroglio dans lequel la République est aujourd'hui. Nous pensions que le président de la République devrait convoquer ce que nous appelons les états de lieu de chaque territoire. Ça, c'est un dialogue national qui devrait se dérouler sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Félix Soko Lingi Mboka Oyo, vraiment. Sala Eloko Oyo. Nazako bonde la yo. Sala eloko oyo. Eza yote. Ne pensez pas que vous resterez là éternellement.
tactique oh zo salawana esa tactique oh ya qu'on se maintenir au pouvoir et puis nous maintenir dans ce chaos dans lequel nous sommes. Il faut faire attention parce que le peuple lorsqu'il va se soulever d'une autre manière, bah comme il a kanda ya ko bengana o lokola mboa et kozala bien te montrer quand même une certaine égard à l'endroit des Congolais. Mboka oto linga yango bande konangai. Et je demande ça au président de la République. C'est depuis 2019 que nous lançons cet appel au président de la République. Le changement de la constitution devrait constituer un moment où pour trouver une certaine cohésion nationale. La constitution qui a été faite ici en Afrique du Sud, c'était une aubaine pour les Congolais de réunir le pays, de se mettre d'accord. Vous n'êtes pas le seul à constater que les choses qui ne marchent pas dans cette constitution, nous en avions évoqué. Mais ça doit être un événement qui peut être un catalyseur pour mettre les Congolais ensemble. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les Congolais devraient se mettre sur table à parler. Ça ne doit pas être l'apanage d'un groupe d'individus qui vont tailler encore cette constitution à ta mesure pour te faire maintenir au pouvoir. Non! Nous ici, nous nous sommes dit proclamer la 4e République à partir de 2028. À partir de 2025-2026, selon que nous allons faire ce programme-là. Et c'est un programme de transition. Vous vous dites que non. Regardez les M23 qui ont des réclamations. Regardez les groupes armés qui ont des réclamations. Regardez la société civile qui se réclame. Regardez les vols qui se passent en République démocratique du Congo. Ça ne peut que terminer lorsque les Congolais se mettront sur table à causer en disant trop c'est trop. Nous devons chercher un moyen à nous mettre d'accord pour qu'il n'y ait plus de vol, pour qu'il n'y ait plus ceci, pour que tous les mésaventures puissent cesser. Et c'est les Congolais qui doivent se mettre d'accord. Les Congolais doivent en parler sur une table. Comment nous pouvons terminer toutes ces insécurités? Comment nous devons reconstruire une 4e République? L'Afrique du Sud ici s'est mise. Bah comment quand la table balobi bon ok top boss en a macambo a passé, ils ont créé une commission de réconciliation qui ont traité des cas bah les cas quand on zéla wana bah yokana kabatwa yobavandi bah yokani, pourquoi pas nous ne pouvons pas nous mettre sur une même table de négociations? C'est par là que j'ai dit proclamer la 4e République. Dites que 4e République, ça m'a dit que tu en sortiras grand. Tu en sortiras grand. Surtout que ce que tu as dit, modèle as dit que tu as dit que libino. Voici ce que moi j'ai apporté. La dictature que vous êtes en train de vouloir imposer, parce que vous l'imposez déjà, et comme maillot est cicaté, ça ne va vous amener nulle part. Mais tandis que si vous mettez les Congolais, vous le mettez ensemble, vous mettez des piliers où les Congolais vont s'asseoir, bah vandi, lobby, Congo et Nabiso et Kokamba Mabo et na modèle Oyo. C'est ça l'option que nous proposons. Nous sommes en train de vous proposer cette option-là. Il y a qu'on mette les Congolais, nyonso s'il vous plaît. Bazalaba M23, Bazalaba Wapi, tous les ressortissants du Congo doivent aller dans leur territoire en fait de causer, de discuter sur les thématiques d'une nouvelle république. Naloba qui ke ba concert wana ba disons ba forum wana otoza ko benga les états de lieu de chaque territoire et kozala constituer. On a 300 personnes dans chaque territoire. Pourquoi 300 personnes? Je donne un chiffre tout simplement. C'est une proposition, mais le chemin reste légal. Toutes ces personnalités, les notables qui se connaissent dans les territoires, peuvent se mettre ensemble. Et c'est par là que je me suis dit, on va se baser sur les tribus dans les territoires en disant, ok, voici les tribus, voici les chefs de coutumier. Parce que structure est Ali Nayango. Ce n'est pas que les structures n'existent pas, la structure est là. Mais les gens doivent avoir le sens de se dire que non, c'est notre pays dans lequel nous sommes en train de traiter. Mboka o ekozala susu mboka ya ba miyibite.
Et c'est nous-mêmes les Congolais qui vont nous prendre en charge. Et c'est au niveau de la base, au niveau de la territoire, que les gens doivent s'unir en disant « Voici comment est-ce que nous percevons, voici comment est-ce que nous pensons que notre pays devra être gouverné. » Batouana na ba territoire ba kena ba thématique ya ba nani ya constitution. Ils en parlent comme de comme je dirais leur desiderata, leurs aspirations pour un nouveau Congo. Et c'est par là que nous pouvons signer le pacte d'adhésion de tous les tribus dans ce que nous appelons le Congo Asika. Batouana tango ba kovanda ba vandi masolo ba zui résolution. Chaque territoire est une résolution. Et Batou Bazana Katikuna, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas aucune nation. Nous n'avons pas les nations. Nous n'adhérons pas à quoi que ce soit. Nous devons avoir des pactes où nous signons en disant nous sommes pour cette république. Aujourd'hui, nous n'en avons pas. Nous n'avons jamais fait ce que je suis en train d'expliquer ici en République démocratique du Congo. Ça n'a jamais eu lieu. Alors, Batouana tango ba kozwa ba résolution là et qu'en niveau ya ba province. Et puis ba kotinda batou. Si les 300 on peut prendre 10%, 30 personnes ba kei ko accompagner ba texte na bango na niveau à province et puis na niveau à province ba discuter ba harmoniser ba texte on kei wapi et qu'en niveau national où on va avoir un texte harmonisé. Batouana bazako kende ko discuter, ce ne seront pas des illettrés ou quoi que ce soit. Ce sont des gens qui connaissent ce que nous sommes en train de faire. Et parmi ces gens-là, il y aura des juristes, il y aura... Parce que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, est remplie d'intellectuels. Tu ne peux pas me dire que non, quelque part, ou la province Boyebatoussou Soubazate, ça sera quelque chose d'escalier qui va nous mettre ensemble en nous disant, voici notre résolution que nous sommes en train de... Que quelqu'un m'a posé, combien de temps ça peut durer? J'ai dit que ça peut durer le temps que ça nous dira. 3 ans, une année, 2 ans, qu'importe. Mais pourvu que nous sommes en train de construire une maison qui va durer pendant 100 ans. Ne construisons pas quelque chose qui va durer pendant 2 ans. Non, ça ne sert à pas, ça ne sert à rien. C'est ce que vous êtes en train de faire, monsieur le président, en voulant changer la constitution comme ça pour vous tailler, pour que vous mainteniez au pouvoir. Vous ne resterez pas éternellement. Faites quelque chose qui va rester pour de bon. Et alors, ces états de lieux, pour terminer, parce que je ne serai pas trop long ici, pour terminer, moi je pense que ces états de lieux qui vont être un dialogue national sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo aura comme 2 missions. La réélecture de la Constitution et proposer une ébauche dans les territoires et l'identification et le recensement dans les territoires. Chaque territoire devra s'identifier. Il y a moyen de s'identifier. Il y a moyen. Beaucoup de gens m'ont posé « Oh, bato, ba kenda, kasi, na ba province, tout ça, msousou, ba... » Nous nous connaissons partout où nous sommes. Nous sommes à Johannesburg, ici vous allez trouver les mutualités tribales. Nous nous connaissons. Il y a des gens qui se sont mariés. Nous pouvons faire ça. Je vais vous expliquer dans le numéro prochain. Parce que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Nous allons en parler encore à long et à large dans une autre émission. C'est pour cela que je vous demande de vous abonner. La matière, elle est là. Et nous suggérons ça au président de la République qui est en perte de vitesse. Nous pensons que le président de la République, Batusiko et Bakomikaka, imaginez que maintenant, là, même, il n'y a même pas encore un gouvernement, on commence à passer aux élections de 2028. Et pendant ce temps ici, qu'est-ce que vous allez faire? Les gens commencent à passer en 2028. C'est ainsi qu'on suggère au président de la République tant qu'il n'y a pas de changement à la constitution. Ça, c'est une distraction. Vous n'avez même pas encore un gouvernement. Vous n'avez même pas encore un plan quinquennal que ce que vous allez faire. Vous commencez à penser à la modification de la constitution. Je regrette, ce n'est pas ça. Vous êtes à côté, monsieur le président. On va s'arrêter là aujourd'hui en espérant que quelqu'un a compris quelque chose. Et si vous avez aimé cette émission, laissez-moi un message, partagez l'émission. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification parce que dans les prochains jours, cette idée, nous la développons petit à petit. Et j'espère que vous aviez compris. Merci donc, passez une très très bonne début de semaine.
pour ceux qui me suivent ce mardi matin ou mercredi. Et on se revoit prochainement. Que Dieu puisse vous bénir. Au revoir.